C'est parti, salut à vous les amis, on est là. Petite solo queue avec Zaya, on est avec Bad Bald and Bard. Ouais, qui joue Morgana. On est contre Pacito, Pacito, peut-être vous le connaissez. C'est un joueur que je trouve peu talentueux malheureusement. Il a peut-être eu du potentiel une fois dans sa vie, mais la dernière fois que je l'ai vu forer. Bon, après il avait peu de chance, mais mon forestier s'appelait Ashtoke Jankos. Le forestier en face c'était Pacito, Pacito. Mon jungle, donc Jankos, a fait 14-0-11 dans la game. Et il l'a complètement détruit pendant que Pacito était en solide 2-8. On l'a, je pense. Je peux chercher les trades, je joue Doran Blade, je joue Doran Shield. Du coup, je vois de sustain. Oh, je me suis fait. Oh, ok, ça va. Je me suis fait creep block, j'ai dû faire le tour. On va récupérer le level 2. Ward d'ici, Discryptos, ok, la ward aussi. On l'aura pas celle-là. Hop, on passe les petites plumes pour lui casser les couilles. Bon, moins 42, c'est parti dans le chien, c'était pas ouf. J'espère qu'il fasse un pas à droite. Ok, c'est pas mauvais pour l'instant. C'est très fort H en lane. Zaya, c'est vraiment solide aussi. Le truc, c'est que le chien de Luce fait qu'en trade direct, il est un peu supérieur quand même. Oui, ça fait mal. Oh non. Je suis leur pote. On prend le Z. J'ai besoin qu'il m'aide un peu à la stit. Ouais, c'est bon, soulagé. Ah, faut qu'il auto. Oh, ok, c'est bon. Ok, j'essaie de trouver une frame. En fait, le but c'était stacker les plumes et trouver une frame où je pouvais. Je peux pas aller me chercher là, je suis trop loin. Try to freeze. Non, 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 ça veut pas dire ça, freeze. Ça va, je pense que ça freeze quand même. Prends deux potions. Il a gardé son flash. Mais il a utilisé ça et ça. Il a quand même pu récupérer le kill en 2v2, ce qui est pas trop mal. Faire enfin, en fait, qui a été fait par Pacito Pacito sur Warden 1N. Warden. Je sais pas, je connais pas ce joueur. Sans ça va, j'ai doublé Pélon, il a pas récupéré d'assist. Le problème c'est qu'ils ont maintenant les summoners advantage, ils ont leurs deux flashs hein, si j'ai pas de bêtises. On cramait le heal quand même. Je prenais flash pour assurer, en fait si j'attendais trop après Lulu pouvait close la distance et me flash en follow-up et aller donner donner l'assist à H, en fait tout simplement sur le. Putain, je crois de la tête. Ok ça va. Sur le back instantané. On est pareil en gold. Ça. Genre il a deux épées longues, j'ai deux épées longues, juste des potions un petit peu en plus. En XP je suis devant. Je viens de passer level 4. Et j'ai un peu plus de gold genre stocké en banque. C'est juste si je meurs pas prochain récolte. Je vais essayer de le timer à pile 1300 gold pour la BF. Si je peux. Comme ça, lui aura le choix entre soit dealer son back, soit back et du coup ne pas avoir la BF, aller chercher sa patron 2. Ok, il a reback pour chercher une potion chargeable. C'est qu'une pink. Okay. Pas les avoir, je pense. Oh là là. Ah ouais, bah ça. Tu l'as. Auto. Oh, c'est pas de chance. Merci à toi, mec. Je fête mon anniversaire avec Jowax. Merci beaucoup pour tes 17 mois et bon anniversaire à toi, bro. T'as
Putain, ça c'était vraiment pas de chance par contre. Où sont... Ça c'était de la merde, top. C'était vraiment vraiment une lucky. Plus de flash Jarvan. Voilà. Le bon flash in combo. Bah, Pasto qui me fait mentir, qui est en train de porter cette partie pour le moment. Oh, top, ils se sont fait double kill par Irelia. Cette partie s'annonce aussi un petit peu compliquée. Du coup, il a pris quoi? Il a pris un kill, une assist. Je pense qu'il revient avec ses bots là, il veut faire essence river. Ah, il fait peut-être BRK first. Bon timing back. Ah, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais malheureusement. C'était close en vrai. En vrai, c'était vraiment, vraiment pas loin. Genre, ça aurait été pas mal que Ash meure au minimum. Ça aurait donné un deuxième kill à Morg. Ça l'aurait rapproché de son ardente. Et moi, ça aurait permis d'avoir un meilleur timing recall et de perdre moins de creep et moins d'XP. Genre, tomber moins derrière par rapport à H. Elle a récupéré deux fois le shield à la frame. Ok, il fait essence river. Il est niveau 6, Jarvan. Faire gaffe. Ok, Jarvan est là. On peut s'avancer un peu. Le double gang fait pas plaisir quand même. Pour ceux qui m'ont entendu, quelqu'un lui a dit sur mon stream que j'avais flemme pas si tôt et du coup il se venge. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est le double. Ah, il peut se permettre trop de trucs là. Même pas les fights là sur ce timing. Hein. On va reset, je pense. Hein. Je vérifie si elle passe pas 6. Okay, qu'est-ce qu'il fait? Ok, nice, tellement worse. Nice. Parfait, bon taf ça, Morg. Ah, je vais suis obligé de grid, je vais mourir, je pense. Ah, j'ai pas le droit. Bon, tant pis, je back. Ah, ça m'embête de fou. Là, ouais, ça la met trop mal, mais j'ai vraiment aucune info sur Jarvan. Il est probablement bot side. Désolé, hein, je me désappe. Hein. On va faire monter un peu les viewers. Hop. Là, ouais, vraiment mal placé, j'avais besoin de la push. Et Jarvan était top, j'aurais dû, putain. Tant pis, c'est pas grave. Il va récupérer beaucoup là-dessus. Il y a plus de team sur H. Il y a Pasto qui se balade ici. Bon, parfait. J'ai mon bug BF au final. Elle a ses bottes en 2, comme prévu. Il y a Pasto dans le coin là. Attends, je décaille mon tel, il fait des interférences. Oh, c'est dommage, il le savait ça. Oh, il a survécu. Voilà, ça c'est ma bro, ça. C'est exactement ce qu'on veut, la destruction en 2v2. Power Spike BF qui est utilisé instantanément. On va back, hein, je pense. Good job. Dommage, je pensais que c'était nécessaire qu'il meure au top. Enfin, c'est même sûr que c'était pas nécessaire. Il avait l'info. Je vais prendre une pote quand même. J'aime pas acheter des potions, mais. J'aime bien acheter la potion chargeable, mais pas acheter des potions normales. Du coup, on est pas mal, on se rapproche de Ardente. Elle a acheté des bots malheureusement, ce qui fait que Lulu l'aura peut-être avant. Après, elle a un kill de plus, donc je pense que c'est ok. Ça paye les bots en fait, grosso modo. Elle a récupéré combien de gold? 575 et elle 173. Ok, ils sont plus ou moins équivalents sur l'item support.
Je pense qu'ils vont l'avoir à peu près au même moment. Ça faisait autour de... Le rush ardent, habituellement, ça faisait autour de 13 minutes, à part s'il se passe des trucs particuliers. Dommage. On va perdre des creeps quand même, mais... Dommage, j'ai pas passé loin cette cage. À droite. Oh le monstre. S'il te plaît, fais quelque chose. Je peux pas t'aider, bro. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un monstre ou c'est un fou? C'est un monstre. C'est un monstre. Bien joué. Roleplay de Greg. Je suis en 4-1. Il est big quand même. C'est pas plaisant de la croiser, cette petite tirée là. Elle est très énervée. Hein. J'ai créé mon flash là-dessus, j'aurai mon heal pour la prochaine fois. Elle a du TP et tout, donc c'est pas mal. Il a l'air d'avoir pu mettre un peu de dégâts sur la tour. Top. Il l'a tué toute seule. Hein. S'il le savait, là, il l'a tué. Hein. Pas d'infos sur ses sumes et tout, mais genre il fallait l'instagol en fait. Genre lui était light et tout, il l'aurait instagol, il l'aurait tué. Il a aucun stuff là, Toaster actuellement. Il a Zell, marteau de Scofield, enfin de Cofield. Victors are the sole authors of history. Time to write our chapter. Où est-ce que je le savais quoi? Putain de merde, quoi, ça fait trop mal ce personnage! Je le savais en plus, je le savais quoi! Putain, je suis con! Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Morgana avait un inférieur que bot, mais ça coûte quand même très très cher. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai essayé de. Enfin, que j'ai ward entre guillemets de manière safe. Mais... Je pensais pas qu'elle m'avait attendu jusque là. Il peut prendre la tour, hein. Ah, oh, c'est dommage. My bad. Counterplay était pas super présent. Ok, c'est pas mal ce que va se passer bot là, le flash. Ok, c'est bien, il tempo suffisamment avec Morgue. On va juste go Lulu, c'est pas ouf si on go que Lulu. Ça fait mal tous ces sbires. Mais ma wave! Mais. Je suis un CS. Super. Je vais push. Est-ce que je pink ici? Il y a Gragas, y'a pas besoin, je pense. Fais gaffe quand même. Elle est bien dans la game. Elle est pas ultra bien, mais elle est pas trop mal. Niveau 11. Le Morello, les bottes de compléter, j'ai pas d'outils, j'ai pas de summoner défensif. Il y a un ignite sur Mox, tout. Ok, pas mal. Bon arrow. Là, y'a pas de backshield encore, moi. Moi, un bon flash aussi, Harry. Oh là 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 là! Catastrophes! J'ai pas mon R encore. Hein. Est-ce qu'il peut kick un peu def mid? Jace va y aller, je pense. Je vais aller bot side, moi. Ok, si ça va aller. On a quoi? On a 3 tours de retard. On manque quand même pas mal d'objectifs.
Sur Von, beaucoup de pression dans la game, ils ont 6-1-3. Winlet just got a scale. Ouais, Irelia et tout ça, faut l'off. Le problème c'est que le power spike d'Irelia mid game est vraiment insane. Je vais push une wave de plus, elle me chasse, elle. Chopez là. Trop énervé, Irelia, elle vit trop mal, de fait. On va aller prendre cette T1, je pense qu'ils sont en train de faire les râles, ouais voilà. Y'a Jarvan. Juste abandonner la mission, qu'est-ce qu'il fait? On abandonne, double TP c'est bon, on s'en va. Ok, je fais pas mal de dégâts. C'est bon, on est bien. Ok, nice, on a eu la double TP. Le Lutigray c'était un peu greedy quand même hein, sur Jarvan. Je vous avoue que j'ai un peu la goutte de sueur. Pff, il est trop big. J'ai trop peur. Je vais partir hein, moi aussi. Je vais même pas recall dans ce bush là. Tellement je la respecte, je vais la recall bien là, histoire que si jamais elle me voit, elle puisse pas dash sur un sbire. Enfin qu'elle puisse pas me voir en fait, parce qu'elle va me chercher sous tour carrément, mais ça m'étonnerait. Sans info, ce serait un peu énervé. Elle est un peu vénère quand même. Hein. Bon, on avance, j'ai le zèle. Maillet gelé sur Jarvan. D'accord. Pourquoi pas. Ok, je sais push bot, on une wave de plus pour avoir la pression. Irelia, on la voit, elle est au niveau du raid. C'est Pink là-dedans, hein. Je vais aller la chercher. Bon, il a pu récupérer notre première T1 top. Je vais décaler aussi, je tourne ma Pink à placer là. Donc, c'est qui peut tenir Irelia? Je peux pas la sauver. Hein. Close. Mais je dodge. J'ai mon ult en cas de besoin. Enfin, je voulais aller chercher un petit poke. Ok, il est rallié. Péché, merci à toi pour ton sub. Skill bait. Merci mec. Ok, j'ai mon statique, je vais récolter. On perd deux tours là-dessus quand même. Je reprends une pink. Faire gaffe, là s'il rush le Nash, il tombe hein. Je cours mais... Ok, Malzal là avant. Ok, ça va. Putain. Si ça avait rush le Nash, on aurait perdu le Nash, ça aurait été vraiment triste. Pour rien, comme ça, sans aucune raison. C'est mes coups, hein. Oh dommage, on savait. Je t'en fuis la flash.
Ah, on va perdre la tête 3000. Tain, c'est dommage. En fait, il savait qu'ils étaient là. Il a voulu faire genre en mode le mec, je sais pas, pour les surprendre. Mais même, on a, même comme ça, il s'est fait genre. Enfin, c'est lui qui s'est fait go en fait. C'est débile. Et si on fait des kills, il a pas de flash. Hein. Peut-être récupérer un H. Tu veux TP. Go dessus. Hein. Garit problématique, j'ai pas de heal. J'ai mon heal dans 10. Harry Irelia, mais. Vraiment, on est bien quand même. Je peux éviter de me faire tanker le match. Suffit les conneries. Ok, on va back. Powers 2 pour 2. On a l'avantage de la position, on a l'avantage de la décision. On a quand même le move. Je pense que Powers de faire ça en back. J'ai cramé un flash en plus là-dessus pour aller shutdown à Harry. Donc c'est pas ouf hein, comme move. En fait je voulais me placer là, placer les plumes ici. Je pense que ça aurait été le must. Genre qu'on s'enferme tous dans le pit et que je place toutes les plumes à l'entrée. C'est pour ça que je me suis placé derrière le Nash. Et comme ça en gros bah s'ils viennent j'ai juste à eux et... C'est la punition instantanée quoi. Là le problème c'est que les gens étaient pas sur la même longueur d'onde et tout. C'est vraiment compliqué en fait de synchroniser là dessus parce que le truc c'est qu'en gros tout le monde sait pas si les gens vont fight, vont faire le Nash. Genre on hésite un peu entre deux calls. Et du coup c'est compliqué de se synchroniser. Ok nice, a check pour moi. Je pense que j'arrive. Nice. Comment ils ont réussi à la catch? Ok, ulti Malza. Pas du disrespect. Y'a personne là en mid. Je suis pas très très loin de l'IE. Harry top, est-ce que je peux loot play? Avec Morgana, oui. Sans Morgana, je sais pas. En speed. Ne meurs pas, Jay, c'est très important. Quoi que tu fasses, ne meurs surtout pas. Pas dessus. Il manque une way, j'aimerais bien ne pas vendre mon Doran si c'est possible. Les poules HP est assez important contre leur compo et c'est beaucoup d'assassins. Je peux trinket derrière histoire qu'ils aient pas l'info. Faut qu'ils aient l'info tard, c'est chaud quand même. On a pas de QSS. Je pense que tant mieux qu'elle ait pas touché honnêtement. Quoique, peut-être le backup n'est pas assez tôt. Elle me blague chine en théorie, hein, si j'ai mis une arrow. Je pose un ulti. Je vais back ici là, où je sais qu'il y a une pink. Très important quand il y a un timing Nash, d'être sûr de pas être vu quand vous backez. C'est pour ça que je back sur la pink, même ça me délaye un petit peu, au moins je sais qu'ils ont pas l'info sur mon recall. Non, je suis obligé de back, mec. Je suis vraiment légit obligé de back, le prospect trop important. Bon, j'ai 3 items, Tester a 3 items aussi, mais j'ai un prospect plus élevé que le sien. Je pense. On va perdre l'inhib à mon avis. Soit ils vont inhib, soit ils vont Nash. Ils ont l'air d'ANH. On a un petit peu de vision.
Ouais, ils vont lâche. Ils sont low HP quand même, hein. On a l'ultime Alza. Je descends tellement vite ce nage. Je crois vraiment qu'on peut prendre le fight là. Peut-être l'avoir. Il va la flash, il va la flash. On a même pas besoin. QSSH, QSS Irelia. Putain, ça fait chier. On a pu avoir des flashs, on a pu avoir deux kills. Qui aura un pusher avec. Un pusher en moins avec le Nash, mais. C'est globalement pas ouf. Putain, ils font double turn mail, ces enfoirés. Je vais go la Whisper, je pense. Tombe la frontline rapidement. Win group. Je pense que oui. Juste qu'il n'oublie pas qu'il y a une QSS sur l'AD et le top en face. Mais je pense que les teamfights groupés on a été à notre... enfin, sont à notre avantage. Je vais aller push le bot. Ok, j'ai mon last whisper là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que c'est ok, c'est juste appuyer sur R, il a eu le titre. Oh le niveau du joueur, il a eu le titre dans la banshee. Comment est-ce qu'il a fait ça quoi? Bon plus le Thierry c'est déjà ça. C'est dommage. Ça arrive même au meilleur hein. Pas au meilleur, mais ça arrive quoi. Tu m'as joué là. Faites pas. Pourquoi est-ce qu'il a fight? On est obligé de lâcher ça aussi. Putain, fait chier quoi. Ça me permet de pas qu'il puisse tirer cette wave pour essayer de M. Je me fais creep block de fou. Ah, ça m'énerve. Je me suis pris un bisou perdu. Morgana l'a pas vu non plus, elle avait son black shield. On peut ne pas perdre la game là-dessus. Je pense qu'on est bien, je pense qu'on est bien honnêtement. Il y a Malzac qui va respawn, ils sont assez low HP, il aura son ult. Jace arrive à bien tempo, il a toujours son GA. Je pense qu'on peut def. Juste ne perdons pas la game là-dessus. Ne perdons pas la game. Ok, plus d'arrow. QSS. Oh. Il n'a pas de sbire, c'est close. Merde. Nice. J'arrive. Jarvan c'était pas volontaire, je l'avouais. We Vestaya are only half of our full glory.
Il n'y avait pas de cage. On va pas l'avoir. Hop, 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 hop. Cours trop vite. On n'a pas perdu la game, c'est déjà ça. Hein. On va se faire améliorer là, je crois. Ouais. On a perdu tellement sur son H. En fait c'est my bad, genre tout part du fait que je me prenne la rola, je me prends la rola, ce qui fait que bah, je suis out. Malza respecte pas, je sais pas ce qu'il fait, il a pas d'ulti, il s'avance quand même. Du coup il se fait go et il meurt. Et derrière ça fout vraiment le bordel quoi. Mais en gros si je fais pas l'erreur initiale, ça force pas mes teammates à jouer safe et du coup en théorie il y a pas l'erreur de Malzar en fait. Du coup c'est un peu embêtant. Oh il faut arrêter de se faire catch. Je pense que ça va être très compliqué de pas perdre la game sur les 45 secondes. Ok, il va mourir pour des loups. En fait, non, il n'est pas mort. Ok, nice. Pour une position de fight correcte, s'il vous plaît. Nice, pas mal ça, pas mal, pas mal. Vite, vite, vite. Je t'encaisse celle-là et je vais taper l'autre. Ok, je vais encore debout, hein. Faut absolument du life steal. Je vais faire Death Dance. Comme garde, s'il vous plaît. Jace. Bon. Death Dance au cimetière. Non, je vais faire Death Dance, je pense. C'est compliqué. Ok, le Nash est toujours up. Comment est-ce qu'on ne perd pas cette game? La question que je me pose. Oh non, Banshee. J'utilise pas mon Z pour le tuer ou que ce soit. Combien d'AS? 50% d'attaque speed en plus et 20% de dégâts supplémentaires. Ce qui est vraiment conséquent. C'est chaud quoi. Yay, someone to throw knives at. Your inhibitor is respawning soon. Oh, j'ai pas niqué. J'ai pas eu confiance en Morgue. Nashor est mort. Il vient de se suicider pour essayer de voler Nash, tellement la pire idée au monde. Ça c'est les pires idées, parce qu'en fait même s'ils volent le Nashor... Ah ils s'en battent les couilles, ils ont pas besoin de... Ouais, mais même s'ils volent le Nash... Genre comment on def en 4v5 en fait. Oh mais faut pas que vous vous battez encore. Ça va être chaud. Ils ont pas de CS après. Parce qu'ils ont besoin de creep, ils ont clairement pas besoin de CS. J'ai un ulti dans 10. Mourez tous! Oh là 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 là! C'est tellement parti en couille rapidos sur le Nash qu'ils ont récupéré. Comment est-ce qu'ils l'ont récupéré déjà ce Nash? Ils l'ont juste fait comme ça ou ils ont fait un catch? Je me rappelle plus. Genre la game. Ça c'était mes cours d'allemand, je révise un petit peu pour le bac là. Ce qui a pop 2 secondes. Ah ça m'embête, cette game était clairement gagnable. Mon euro a coûté beaucoup. Enfin vraiment vraiment cher. Je sais pas trop qui honore. Joue honore Morgana. Je pense que j'étais devant en dégâts pour vraiment se permettre ma truc, ouais.
Avec Lulu et tout, on peut vraiment se permettre énormément de choses. Tandis qu'on n'avait pas masse punition, on n'a pas vraiment de fight groupé. Et du coup, la game était compliquée. J'aimerais bien en voir quand même. Je m'en rappelle plus exactement comment est-ce qu'ils ont récupéré Snasher. Ça nous a un peu foutu dans la merde. En tout cas, tout le monde a été honneur sauf moi. Voilà, j'ai pas fait une game de fou. Je pense vraiment que j'aurais pu gagner cette game. Moins 17, putain, ça fait vraiment plaisir par contre, no joke. C'est-à-dire que là, je fais plus 17, moins 17. Voilà, c'est vraiment plaisant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça, moins 17. Oh là 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 là, c'est trop bien. C'est un peu dommage quand même, cette partie j'aurais pu la carry, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, c'est que j'aurais clairement pu la carry. Et genre, notamment l'erreur où je me prends la roue, j'aurais pu en plus assez facilement sidestep, j'avais l'ulti et tout, au pire. Celle-là coûte assez cher. Et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que la game vous aura plu quand même, les amis de YouTube. Je vais aller check la VOD pour voir comment ils sont du Snatch, je m'en rappelle plus. Voilà, pouce bleu à vous et à la prochaine. Bisous, tchuss.